Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Oui, mon nom, Dan Solo, qui je suis très, très, très content. C'est Noël pour moi là, aujourd'hui, 18 décembre. Je viens tout juste de terminer ma vidéo de spéciale surprise que vous avez peut-être vue. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir ça. C'est la réception de mon Kickstarter, et puis maintenant on va faire le déballage D&D Dice, un jeu que j'attendais. Probablement je l'ai pledgé en 2017 parce qu'on devait le recevoir en 2018, puis là on est en 2020, deux ans de retard. Ça a toujours été à cause des problèmes de la langue française. Et oui, ils ont dû même refaire plusieurs fois les cartes parce qu'il y avait des erreurs de traduction, etc., etc. Et là, bien, c'est fait. Je l'ai reçu, enfin, et moi, j'adore tout ce qui touche la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que, lui, je voulais absolument l'avoir. Ce n'est pas un jeu récent, c'est un jeu qui date, je n'ai pas vérifié, là, quand il date quand même de au moins 4-5 ans, certains. Parce que c'est une deuxième réédition. Mais dans cette deuxième réédition-là, qu'on a décidé de le faire en plusieurs langues. Parce que la première édition était seulement en anglais. Puis à l'époque, c'était un jeu qui m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vu qu'il était juste en anglais, ben, j'ai pas pu l'acquérir à ce moment-là. Puis là, lorsqu'il a annoncé sur Kickstarter, avec choix de plusieurs langues, dont le français, alors tout de suite, je me suis garoché, comme on dirait ici au Québec, pour le pledger, et enfin, le voici, le voilà. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 45 minutes. Vous pouvez voir sur BoardGameGeek, il existe une version que vous pouvez imprimer. Donc, c'est possible d'y jouer. Moi, je n'y avais pas vraiment. J'aime voir le matériel ici, là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas joué. Donc, je connais pas grand-chose. Ben, oui, j'ai vu des vidéos du jeu. C'est pour ça qu'il m'intéressait beaucoup. Mais sinon, le reste du matériel, je ne connais pas. Les cartes, je ne connais pas non plus parce que la version imprimante, on n'a pas de cartes. En tout cas. Alors, comme vous voyez, on a eu beaucoup de prix d'excellence. Alors, on ouvre ça. J'ai extrêmement hâte de voir le matériel. Puis, restez là, c'est vrai. Restez là parce que il n'y a pas que la boîte de base. J'ai les lectos, les extensions qui vont suivre après. Vous allez voir que beaucoup de stock. Alors, on ouvre ça. Ok, c'est vrai, puis je rappelle que c'est un jeu qui est par Emmanuel Akin, et c'est édité par Dots Expargain. Voilà. Petit livret de règles. C'est pas un jeu extrêmement compliqué, hein. C'est d'après ce que j'ai vu dans les vidéos. Bien illustré quand même, des exemples. J'ai bien fait, c'est 17 pages. 17 pages au total. Voilà. Ensuite, ici, on a. Il y a des scénarios, livret de scénarios. Ça, je ne savais pas. Il va y avoir des scénarios. C'est bien. Ici. Scénario numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et probablement 10, 11.
conduire les acrobates. 11, 12, 12 scénarios quand même. Super. Wow. OK. Là, comme je dis, je ne suis pas au courant vraiment de tout ça. Ici, on voit des roulettes. Probablement pour les dommages ou comme ça, les points de vie. Puis ici, on a des ordinateurs. Bon, je connais pas. je connais l'ordinateur, les États-Unis. Puis ça, je connais pas du tout c'est quoi. Puis eux, bon, je sais pas non plus. Donc, c'est les roulettes doivent aller ici. Les pions de 1 à 6. Ah, des petites roulettes qui se promènent. Ici, on a les séquences, des cartes d'aide. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah oui, chaque pays a sa propre carte d'aide parce qu'il agissent différemment. Oui, c'est pas pareil. Est-ce que c'est pareil? Des tubes cadeaux, aspiration. Ouais, ça semble identique pour les cartes. OK. Ici, c'est les plateaux les plateaux de combat. Réversible. La plage. Puis tout ici. J'ai extrêmement hâte d'y jouer. Pour se lancer à avoir 6 plateaux réversibles. Donc, c'est comme si on avait 12 terrains. Donc, choix en basse. Donc, je vous explique pas les symboles, tout ça, parce que je connais rien dans tout ça. Voilà. C'est bien ça. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 12 plateaux. Et ça, c'est vide. Ensuite, OK. Comme je le pensais, comme j'avais vu dans une des vidéos, la boîte est vide parce que ça va contenir toutes les extensions qui sont avec. Ici, regardez le nombre de dés. Wow! OK. Beaucoup de dés. Hein? Il y en a des très petits ici. Que 3 petits dés. Et ils sont vraiment super, les dés de bonne qualité. Ils sont engravés. Ils sont arrondis comme je les adore. Ça, ça tourne bien. On a des D6. De 4 D6. Puis j'imagine que chaque couleur, c'est pour une armée en particulier. Je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dés. Et ça ici, c'est les petits jetons pour les roulettes. Et on a ici quand même un gros paquet de cartes. Je vais ouvrir ça et je reviens. Voilà, les cartes sont ouvertes. Et comme dans beaucoup de jeux, les cartes étaient tous mélangées. Quand pour lui, je les sépare au complet. Et je viens de voir aussi dans le fond de la boîte. Vous avez dû le voir, il était sur le bord de la boîte ici. Il y avait encore des petites rondelles. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, les cartes, il y en a beaucoup. Pas beaucoup par paquet, mais il y a quand même un petit paquet ici, ici, ici. Le reste, c'est pas beaucoup, mais probablement qu'avec les extensions, ça va rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles cartes. Ce qu'on va voir tantôt. Ici, j'ai des cartes. Puis là, je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Je vous dis tout de suite. Vous avez des cartes spécialistes uniques. OK. Des cartes d'excellente qualité. Je vous dis là, c'est vraiment
très épaisse, c'est presque en plastique. Donc, ça, pour la qualité, très bon. Ici, on est des spécialistes gradés. Capitaine, colonel, lieutenant. Donc, moi, c'est vraiment là, mon type de jeu. Ici, on a des objets standards. Donc, un bazooka, un après-mine, lampe à signaux, veste de commandement, porte-bonheur, une bible de poche. Il y en a pour tous les goûts. Puis, une pare-balles. Donc, beaucoup de choses dans ça. Puis ici, des objets standards. Ah, c'est le même paquet. Puis, toi. Ah non, OK. Ici, objet spécial. OK, ici, c'est des objets spéciaux. Puis ici, des objets standards. Torpille, banque de l'or, des jumelles, radio, lance-plan. C'est vraiment... J'ai très hâte de me plonger dans ce jeu. Je vous dis pas à quel point qu'on a même des véhicules. Wow! Une voiture de blindé, une voiture blindée, une auto-chenille, un char, une ambulance, un jeep, puis un bulldozer. OK. Puis regardez-moi ça ici. On va avoir des médailles. Wow! La Légion d'honneur, la Silver Star, médaille militaire. Wow! Écoutez, croix de guerre. C'est fantastique. Ça là, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ensuite, on a pour chacun des quatre nations, on a le spécialiste régulier et aussi un spécialiste auxiliaire. Donc, là encore, je ne sais pas du tout à quoi peuvent servir ces cartes. Même chose pour lui, spécialiste régulier et auxiliaire. Il y a 5 cartes par régulier et auxiliaire. Puis ça fait 5 de chaque. Donc, puis encore, je vous dis, la qualité des cartes, là, sont vraiment excellentes. Comme j'ai spécialiste régulier, spécialiste régulière. Je ne sais pas si c'est les mêmes cartes pour chacun. Je ne sais pas du tout. Peut-être. C'est possible. Parce qu'on a vu sur les cartes d'aide, c'était les mêmes choses qui étaient écrites pour les cartes. Donc, les cartes, ça doit être la même chose pour chacun. Je pense que oui. Parce qu'ici aussi, on regarde, là. On a chef de groupe, c'est les mêmes pour les quatre nations, les mêmes paquets de cartes pour toutes les nations. Voilà, ça c'est la boîte de base qu'on va passer pour la première boîte d'extension, et je reviens. Voilà les deux premières extensions qui venaient avec le pledge que j'ai fait. C'est J'ai pas fait le plus petit des pledges. Je crois que c'est le deuxième que j'ai fait. Donc, on va ouvrir la première. Je vais le mettre ici de côté. Ici, on a Vidal Extension Atlantic Wall. OK. Toujours par le même auteur. Toujours édité par Gatskin. Ici, à l'arrière, c'est toujours tout en français. Super. Et là, ici, on l'annonce de 1 à 5 joueurs. Donc, j'ai l'impression qu'on rajoute un cinquième joueur. Donc, on devrait avoir des cartes supplémentaires. 45 minutes et toujours pour 14 ans et plus. Si on dit que ce n'est pas convenu pour des enfants de 0 à 3 ans, j'imagine que 4 ans non plus. Mais bon. Je pense que c'est parce qu'il y a des petites pièces à l'intérieur, donc dangereux pour les enfants, pour les jeunes enfants. OK, on y va. Encore là, c'est vraiment une grosse surprise pour moi, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pledgé que je ne sais plus
du tout qu'est-ce qui venait avec le jeu. Et ils sont toujours très sûrs à ouvrir. Et on est presque. C'est écrit vraiment. Toujours, faut toujours me battre avec des boîtes. Que ça en devient ridicule. Bon, et en passant, bonne qualité, très carton très épais. Donc ça, là-dessus, c'est super. Puis c'est glacé. Très joli d'ailleurs. Bon, on y va. En classique war, livrer les règles. Donc ici, la liste du matériel en complète de plateaux. Il y a 6 champs de bataille. Puis je ne sais pas si c'est réversible. Donc ça prend 12 autres plateaux, 12 autres champs de bataille. Bon, des cartes, il y a des, encore des dés. Ça, c'est des nouvelles cartes. Ah mon Dieu, il y a encore tous ces dés-là. C'est vraiment. Wow. Donc, ça aussi, ce module, c'est un module qui est 13 pages. OK. Ici, encore des scénarios. Ça va être vraiment. Attendez, c'est. Plateau numéro 18, OK. OK, c'est pas des. C'est pas niveau. C'est pas des scénarios 18 ou 19, là, c'est. OK. Huit pages. Ici les cartes d'aide pour un nouvelle nation. Puis ça, je les reconnais. C'est l'Allemagne. Et oui. Les Allemands. Et les plateaux de combat. Effectivement. Oui, donc, c'est ça. Il y a 3 plateaux. Il y a 6 nouveaux sacs de combat. Réversibles. Ça, je trouve ça magnifique, c'est super beau. Je sais pour ceux là, qui font avancer ici dans le. Pour se rendre et vaincre ici l'ennemi ici. Voilà. Des petits jetons ici. Et le plateau aussi de la roulette pour l'Allemagne. Et s'il y a. 6 nouveaux dés. Encore là, très jolie idée. Toujours regravé. Ce n'est pas collé. On sent vraiment là, c'est renforcé là. C'est superbe. Ah, écoutez, là, c'est vraiment. Pour moi aujourd'hui, là, c'est vraiment, vraiment Noël. Là. C'est. Super. Ça nous fait oublier un petit peu ce qui se passe en ce moment dans le monde. On n'est pas différent partout dans le monde, au Québec. C'est même. Ça devient de plus en plus grave. Donc, ça nous fait oublier tout ça. Donc, encore des roulettes. Et des cartes. Alors, cette fois-ci, on a des grandes cartes. Et toujours des petites cartes. Et des jetons pour les roulettes. Parce qu'il va y avoir beaucoup de roulettes à faire. Hein? Peux-tu vous dire que ma soirée elle va être bien remplie? Et je dirais même ma fin de semaine va être bien remplie. Donc, j'aime ça et j'en viens. C'est reparti pour la suite. Et comme je disais, on a encore des cartes que j'ai déballées tantôt. Qu'on a des suppléments, donc c'est parfait. Il n'y en a pas beaucoup dans le mode de base, mais on en rajoute probablement dans chacune des extensions. Il va se rajouter des nouvelles cartes ici, des spécialistes gradés, des objets spéciaux, des médailles et des véhicules.
Non, c'est super parfait. Et ce qu'il y a de nouveau ici, c'est ceux-là, qui sont dans des objets albats. Cocktail Molotov, donc c'est spécifique pour des albats. Donc, une bicyclette, OK, barbelé, stimulant, un chien. Donc, c'est des objets spécifiques pour l'Allemagne. Si on a des badges, comme le fantassin, l'aide-soignant militaire, le chauffeur, soldat expérimenté, tireur à droit, police militaire, officier, parachutiste, signaleur et un grenadier. Donc, on va avoir, je sais pas s'il y a un mode campagne avec ça. Si on a encore des décorations, mais spécifiquement pour l'Allemagne. Un signe noir de blessure. Un signe noir de blessure. Un signe offensif terrestre. Médaille du service long. Donc, il y en a différentes sortes, là. Dans les médailles. Des décorations. Ici, vous allez voir spécialiste allemand. Bon. Demandez-moi pas de vous nommer les titres, parce qu'ils sont tous en allemand. Mais au moins, l'explication est en français. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va être pour ces cartes-là. C'est malheureux, je n'ai pas d'être plus de détails que ça à vous dire sur le jeu. Mais tout ce que je fais présentement, c'est de vous dévoiler le matériel. Si un jour il sort en magasin, puis que vous aimez ce type de jeu, c'est vraiment, vraiment présentement, là, je suis épaté du matériel. Très, très, très bonne qualité. OK, donc cette extension-là est terminée. On passe à la deuxième, je resserre tout ça, que je reviens. On est reparti pour la deuxième grande extension. Et j'espère que vous êtes bien installés, là, parce que c'est pas fini après ça, là. Alors, il y a ça qui va s'en venir après, ici, il y a ça qui s'en vient après, et ces trois petites extensions-là, par la suite. Donc, ça s'en vient tout de suite après, donc, installez-vous confortablement, prenez un petit café, petit verre de vin, on continue, c'est l'extension Histoire de guerre. Donc, même auteur, qui là encore, ça va rajouter encore plein d'ajouts, plein de nouvelles cartes, encore des plateaux. Ici, toujours basketé pour 1 à 5 joueurs, 45 minutes, 14 ans. Alors, on y va, l'ouverture. Du plastique gaspillé. OK, je vais avoir un bois de misère avec celle-ci. Allez. Ouais, je pense que ça va être bon, ça va être bon. Ah! Toujours ma batte. Bon! OK, voilà. OK. Toujours un livre de règles. Oh! Il y a du matériel là-dedans aussi. OK. Donc, il y aura de superbes cartes qu'il va y avoir là-dedans. OK. Donc, des modules 4. Quand ça fonctionne par module, j'ai l'impression là, qu'on peut choisir les modules avec ici. Module 5, la Pologne, OK. Module 4, c'était-tu... Je ne sais pas s'il y a un seul nouveau... Wow, les enseignes. Les enseignes militaires. OK. Et c'est notre livret de scénario encore. Parfait. Je n'ai pas l'impression que je vais passer à travers tout ça. Là. Mais en tout cas, pas pour la prochaine semaine, ça c'est sûr. Donc, encore des scénarios. OK. Et là, on rajoute
ce que l'on avait, c'était la Pologne. C'est bien ça que tu as marqué, la Pologne. C'est que tu as marqué, hein, quoi. Ça, c'est le scénario. Voyons. Ok, ok. Voyons. Ah, c'est ça. Oh, c'est ça. C'est pas là. Donc, ok. Là, je vous dis, je connais pas mes drapeaux. Bon, avec un tour, la même carte d'aide. Et possiblement toujours les mêmes choses en arrière. Ici, donc, on a trois autres. Plateau, donc on avait 6 dans la première boîte, 3 plus 3 autres, donc 12 plateaux, 24 terrains de combat. Wow! Ok! C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Puis c'était un bunker, c'était assez difficile à prendre. Donc, 24 plateaux de combat. Ici, des jetons de même face que des dés. Et des insignes de médailles, ça. Ok. Et la roulette pour la Pologne. Oh, c'est une erreur aussi. C'est pas percé. J'espère que... Ouais, c'est peut-être ça. Qu'on peut-être refait imprimer juste les petites roulettes ici. J'ai pas remarqué si les autres c'était comme ça. OK. OK, encore ça fait. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les petites pinouches. Encore d'autres dés. Oh, il y a des différents ici. Encore des petits dés. Ils sont tous cute. Encore avec des symboles tout bien regravés encore une fois. Ici, ça semble être... ici, il est engravé, mais il n'y a pas de dessin. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Donc, il y a 4 dés comme ça, vert. Et celui-là, avec le grand de soldat. Ici, ça doit être sergent. Donc, oh, ici, il y a l'autre grand pio. OK. C'est encore les mêmes dés que dans les autres jeux. Que dans les autres extensions et les bords de base. OK. Donc, je vais. Il reste des cartes à déballer et je vous reviens tout de suite après. OK, voilà le dévoilement des cartes. Ce que je peux vous dire, ici, on a encore trois autres médailles. Arbre de la libération, soldat. OK. Je cite soldat médaille, mais c'est marqué en français. Ordre du bain. Possiblement qu'il va y avoir des petites erreurs comme ça, là. Ça n'a pas été traduit, mais le reste, là, ce qui est important, c'est le texte. Le reste, c'est pas grave. Ici, ce qu'il y a de nouveau, donc je vais continuer dans ce qui est... Ici, on a encore, comme dans l'autre, ça rajoute encore des cartes pour chacune des destinations-là. Spécialiste auxiliaire, spécialiste régulier. Même chose pour l'Angleterre, ici, et les États-Unis. Donc, c'est des cartes qui vont se rajouter. Et ceux-là, je ne sais pas du tout pour qui ça va aller. Dans les niveaux, nouvelles cartes, on a ceux-là pour la Pologne, spécialiste auxiliaire et les spécialistes réguliers. Donc, c'est la même chose que les autres. Caporal, ça doit être les mêmes cartes que les autres. Ensuite, ici, on a un gros paquet qui s'appelle paquet militaire. Et comme je disais, un gros paquet, c'est un gros paquet.
Et le raccord, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est des noms de soldats, sergent Burke, Henshaw, caporal Whittle, Drure, sergent Jules, Pella. Donc, c'est des noms de soldats qui doivent, je sais pas, ouais, peut-être des cartes de départ pour ce. Je sais pas. Vraiment, là, je suis au courant de rien. On a ici des objets, mais ce coup-ci, c'est des objets légendaires. Donc, là encore, un très beau paquet. Et là, ici, on a une poche à munitions, un sac Bergen, ceinture utilitaire, ordres spéciaux, photos de portefeuille. Bon, il y en a de toutes les sortes, là. OK. Par la suite. On a ici des spécialistes légendaires. Et là encore, un bon petit paquet. Donc, volontaire français, le docteur, génie royal, signaleur, rangers, quartilleur. Donc, encore là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Donc, pour les petites cartes, c'est ça. Maintenant, dans les plus grandes cartes, on a celle-là ici, spécialiste gradé. Je ne sais pas si ça va avec. Justement, le paquet de cartes, le paquet de petites cartes spécialistes gradées, ben, c'est simplement une carte comme ça. Il y en a seulement une. Je ne sais pas si c'est pour pouvoir mettre des dés, conserver des dés. C'est un lieutenant. Donc, je ne sais pas du tout. Ensuite, pour les grandes cartes, je vais passer celui-là ici, que je trouve sont magnifiques. Donc, là, ici, on a la 29e division d'infanterie, 6e division aéroportée. Donc, c'est des sigles de ces régiments-là. D'accord, c'est super joli. Et de l'autre côté, c'est tous la même chose. J'ai vérifié, là, c'est toutes les mêmes. Ah non, 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 non. Ici, 15 points. Puis c'est marqué 20 points. Ah, ok, c'est pas pareil pour tous. 15 points, 12 points. 12, donc, c'est ok, c'est différent pour chacun. OK. Si on a ce qui s'appelle des tables BBR, le dernier debout. Encore là, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est la même chose? Un spécialiste. Ça ressemble, oui. C'est eux, on a l'air pareil. Ouais, on a l'air pareil, ceux-là. OK. Et un autre ici, gros paquet. Histoire de guerre, le titre justement de cette extension. Et là encore, c'est un bon, quand même, là, avec un très bon paquet. Donc là, c'est différents textes, mascotte, malchance. Vous voyez pourquoi est-ce que je le tenais d'avoir vraiment français, parce que ces cartes-là, ils ont beaucoup, beaucoup de textes. Voilà. Donc, c'est tout pour cette extension-là. Restez là, c'est pas fini. Donc, je continue avec les trois autres petites extensions. Et le petit sac ici, là, en haut, dans le coin à droite. OK, je reviens. On y va maintenant pour les trois dernières petites boîtes. Et à date de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de. Parce que vous avez vu comment est-ce qu'il y avait de cartes. La boîte de base contient beaucoup, beaucoup d'espace. J'espère qu'on a prévu de pouvoir tout ranger ça dans la même boîte, parce que sinon, parce que ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'ils fassent un plan de où va, à quelle place. Sinon, ça va être détourné. Comment va le matériel dans chacune des boîtes, puis au moins essayer de se débarrasser de quelques boîtes. Donc ici, c'est, j'appelle ça une poche, OK, et... vraiment encore marqué de 1, oh, disons, ici marqué de 1 à 4 joueurs. Donc, elle devait être faite avant la grosse extension. Donc, même chose, ah non, si c'est 15 minutes, 14 ans et plus, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un jeu à part? Ah, ok, je lis ici, là. Vous avez quelques minutes à tuer, allez conquérir les plans de Normandie. Cette petite boîte contient
deux jeux complets, épiques, se déroulant pendant le débarquement de 1944. Rapide, amusant et facile à apprendre. Ces jeux peuvent se jouer n'importe où. Dead Ice Bataille et Dead Ice Express. Ah, ça ok, ça vient, ça va pas avec le jeu principal. Ah, c'est... Je suis curieux. Ok, les deux autres, c'est marqué extension. Elle, c'est pas marqué extension dessus. Ok. Bon, ici, on voit un paquet de dés. Une belle petite pochette. Wow! Imprimé des deux côtés. Puis, encore une fois, qualité, là, extrême. Wow! Petit sachet. Donc, ici, on a des instructions. Non, c'est... Oui, c'est un dépliant. Okay. Un petit dépliant. Toujours vérifier si c'est en français. Oui, c'est en français. Recto verso. OK. Ah, mais je suis curieux, ça. Je suis curieux, j'étais un peu au courant. Donc ici, il y a des petites cartes. Ici, des grandes cartes, des, ça veut dire des cartes d'aide. Dédais Bataille. Ça doit être, c'est ça, la carte d'aide pour cette extension-là. Et ça, c'est ici pour... OK. Carte d'aide pour Bataille, carte d'aide pour Express. Ah, ça doit être marché un peu comme, je sais pas, Tomorrow Beach, Gold Beach, Juno Beach, Sword Beach, Utah Beach, et Point du Rock, du Hawk. OK. Des TDM. Voilà. Ben, ça, c'est le grand 4. Encore une fois, ça, vraiment, je peux pas vous dire. C'est une surprise, je ne je savais pas qu'il y avait ça. C'est un petit jeu, je le mettrai un autre point. Des petites cartes, c'est vrai. Il y a des petites cartes ici. Vétéran, Toubib, Génie, Général, Capitaine, Cabral, Héros. Que... Puis des cartes, choix de Légion du Mérite, que ça doit être des styles de médaille, je ne sais pas. OK. Et l'idée, ben, l'idée, il y a encore un petit dé ici, marbré, oh, super beau. Couleur militaire, brun. C'est du marbré, c'est du... Camouflage militaire, genre pour le désert. On avait un dé comme ça dans l'autre extension. OK. Ici, on a des rouges comme ça. Et des gris pour avoir tous pareils. Les rouges, les bleus, les blancs. Bon, OK. Bon, ben, c'est une belle surprise. OK. Donc, ben, je vais faire ça plus tard. On va commencer à essayer d'aller un peu plus vite. Petite pochette. OK. Passe à d'autres extensions. Légende. Donc, cette mini-extension contient 10 nouvelles unités légendaires jouables avec des dédices. OK. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est avec des dédices. On dit ici, c'est marqué de 1 à 4 joueurs, 45 minutes pour 14 ans et plus. Bon, on sait qu'ils vont avec le jeu principal, celui-là. Ça, je pense que ça va être plus dur à ouvrir. Oh! OK, je reviens. OK, je suis revenu. Bon, là-dedans, il y a un petit paquet de cartes. Des grandes cartes. Et un petit manuel d'extension.
petit nom du quartier, un petit Manuel. Et le gars s'appelle Emmanuel. Donc, c'est-tu un. C'est du pli en quatre. C'est ça. Voilà. OK. Donc, très petit. C'est probablement des rajouts de cartes. Ouais, on a connu, on a vu ces cartes-là. On va aller voir ça tout de suite. Donc, 45 divisions d'infanterie, brigade. Donc, ça doit se rajouter avec les autres cartes qu'on a vues plus tôt. Ouais, c'est ça. Parce qu'eux aussi sont différents, oui, sont différentes. Ils sont tous différentes, eux aussi. OK. Et dans les petites cartes, j'ai l'impression que c'est des rajouts aussi. Ça, c'est toutes ces extensions-là. C'est tous. Ben, je sais pas si c'est tous. Mais c'est tous des stretch goals. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute. Ici, comme objet légendaire, c'est probablement des cartes qui ont été débloquées au cours de la campagne. Spécialistes légendaires, en gros, ils sont encore toutes mélangées. Je vais voir s'il y a des. Donc, c'est tous la même chose. C'est la même. Quand même, ça va faire encore deux bons paquets de cartes à rajouter. Dans objet légendaire, 15 de grenades. Donc, ça va rajouter ça. Et les spécialistes légendaires, volontaires belges et volontaires luxembourgeois. OK. Ici, volontaires autochtones. OK. Bon, ben, voilà. Donc, ces quatre-là se rajoutent dans l'autre boîte de marque. OK. C'est bon, ben, ça va nous faire plus de quatre. On y va. Avec cette petite extension-là encore. Et c'est la même chose. Butin de guerre, cette mini-extension ajoute pour un ensemble de nouveaux contenus pour des dice. OK. Et croc à joie, 45 minutes, 14 inclus, pour la même chose. OK. J'espère ne pas me battre avec la boîte. Allez, allez! Allez, bon. OK. Deux paquets de cartes que ça rajoute. Ah! Tu regardes les cartes, mais ça. Aucune règle. OK. Ça doit être simplement des rajouts, oui. Histoire de guerre. Ça rajoute combien de cartes? La même chose, oui. Ici, on rajoute une carte de l'Armée nationale de libération, compagnie Tailman. OK. Et celle-là, butin de guerre. Quoi, c'est peut-être justement la petite notice. OK. Et puis, celui-là, ben, ça serait. C'est drôle quand même de faire une boîte exprès pour des cartes qui vont simplement se rajouter. Dans la boîte de base, c'est ça, des cartes militaires. Ça aussi, on avait un gros paquet de ces cartes-là tantôt qu'on a ouvert. Donc, cartes militaires. Oh, ça, on n'avait pas ça. Mission spéciale. OK, mission spéciale. J'espère qu'ils donnent, qu'ils disent à quoi qu'ils servent. De nouvelles médailles, des nouveaux véhicules. Oh. Ah, si, si, c'est du beau. De... Héros de guerre unique. Héros de guerre gradé. Ah, c'est toutes des nouvelles cartes. Blanche, ce coup-ci. Objet légendaire. Puis spécialiste légendaire. OK. Ah, oh, il y a d'autres, c'est vrai, d'autres petites cartes paquets ici. Thank you.
Donc, les cartes militaires encore. Ben, je dis encore, ce n'est que ça. Tout ça. De plus, vous avez vu tantôt, il y avait quand même un bon paquet de cartes militaires. Donc, on rajoute tout ça de plus. Wow! C'est encore toutes des notes, celles-là. On voit comme si la carte, comme une veste, son uniforme. OK. Ah, wow. OK. Bon, je vais essayer de ça, puis on y va avec le dernier petit paquet ici, je reviens. On est rendu au dernier. Et là, encore une fois, ça doit être encore des ajouts de dernière minute, parce que vu qu'ils ont mis ça juste dans un petit sac. Donc, qu'est-ce qu'on a dans tout ça? On a encore des roulettes. Beaucoup de roulettes, hein, pas celui-là. Si. Si, donc encore des petites roulettes qui vont avec ça. Ah, ça c'est la France. Puisque j'aurais des cartes. Ah, je ne sais pas. OK. Des petites roulettes vont dans ça. OK. Encore des petites pilouches. Et là, des petits trucs que je vais tout de suite les mettre à la poubelle parce que pas envie que ça se ramasse à terre. Ben, c'est dur à ramasser. Bon, on a encore des jolies dés ici que je peux voir. Il y a deux, entre autres, là. Encore un ici en espèce de marbré camouflage de soldats. Super beau. Ensuite, tu sais, waouh! Un dé français. Ça, c'est pour mon ami Boris Bayek, hein? Et ici, encore des dés, un des 6 ordinaires. Toujours le 6, il est toujours coloré, j'ai remarqué aussi. Le reste, c'est les mêmes que tantôt. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ici, dans les grandes cartes, il y en a une seule carte, quoi. Ou deux. Qu'est-ce qu'on a? Puis on a deux cartes. Les forces françaises de l'intérieur. Et voilà, c'est ça. Et celle-ci, vive la résistance. Ah, histoire de guerre qui se rajoute encore. OK. Et dans les petites. On rajoute encore des cartes spécialistes réguliers. Encore toutes les belles cartes ici. Des médailles encore, super. Les objets de la grandeur, spécialistes légendaires. Et voilà. Ben, j'ai fait le tour. Waouh! C'est incroyable, tout le matériel. Je ne sais vraiment pas par où commencer. On va commencer par la boîte de base. De trouver. Ou peut-être chercher aussi sur Internet. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont fait le déballage et qui ont fait un exemple de comment tout ranger tout ça. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Quelque chose de nouveau qui je crois en français, je suis le seul présentement qui a fait la vidéo sur DD Dice de la deuxième édition, pas de la première, mais de la deuxième édition. Donc voilà, je ne sais pas si je vais être capable de. Ça devrait, je devrais être capable de faire une partie. Vous avez vu le petit plateau des scènes de combat, c'est pas grand, mais que je vais pouvoir sûrement vous faire une partie. Quand, je ne sais pas, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de stock, donc j'ai vraiment beaucoup à faire avant de pouvoir présenter ça, mais je vais vous le faire, c'est sûr, sûrement après les fêtes. Alors voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.